Frank Miller est né le 27 janvier 1957 à... Attendez, qu'est-ce que je suis en train de foutre là, bordel, on s'en cogne, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Frank Miller, c'est le gars typique qui a pas le temps de niaiser. Après avoir réinventé Daredevil au début des années 80, Lucas Murdoch, ici, wesh, il enchaîne avec deux chefs-d'œuvre qu'on ne présente plus. The Dark Knight Returns, puis Year One, deux aventures de Batman qui vont transformer à jamais l'univers des comics. Batman quitte ses costumes colorés, son côté kitsch, ses bad gadgets, pour devenir l'icône gothique torturée et violent qu'on connaît aujourd'hui. On doit également à Miller, Sin City ou encore 300, et même des scénarios de cinéma comme Robocop 2 et 3, dont nous parlions plus en détail dans le plus loin dans Robocop, que je vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait. Just do it! Vous l'aurez compris, on parle ici d'un papa des comics. Mais comme tous les artistes, Frank Miller a aussi sa part d'ombre. Et même ses fans les plus fidèles, dont je pense faire partie, ont parfois du mal à suivre le phénomène. Provocateur, pro-armes à feu, partisan de la théorie du choc des civilisations, néo-conservateur, on peut dire sans vraiment hésiter que le personnage se place à contre-courant de ses confrères, voire même de la majorité des stars hollywoodiennes dont le discours penche plutôt de l'autre côté du drapeau. Depuis plusieurs années, chacune de ses interventions vient tacler le progressisme généralisé, Miller se plaçant à contre-courant avec un phrasé plutôt piquant. En voici quelques exemples. En 2006, dans une interview sur la radio américaine NPR, il prendra ouvertement position pour l'intervention militaire américaine en Irak. Je cite, « Ces gens-là coupent des têtes, ils traitent leurs femmes en esclaves, infligent des mutilations sexuelles à leurs filles. Ils ne se comportent en aucune façon selon les normes culturelles auxquelles nous sommes sensibles. Je suis en train de parler dans un micro qui n'aurait jamais pu être produit par leur culture, et je vis dans une ville où 3000 de mes voisins ont été tués par des voleurs d'avions qu'ils n'auraient jamais pu construire eux-mêmes. » Fin de citation. Pas très Charlie le gars. En 2011, dans un article sobrement intitulé « Anarchie », il s'attaquera au mouvement « Occupy Wall Street », qualifiant le mouvement de ramassis de malotrus, de voleurs et de violeurs, une masse indisciplinée nourrie à la nostalgie de Woodstock et empreinte d'une fausse vertu putride. Ces clowns ne font rien d'autre qu'affaiblir l'Amérique. Al-Qaïda, cet ennemi qui n'est pas le vôtre apparemment, doit ricaner si ce n'est éclater de rire en regardant notre spectacle vain, infantile et suicidaire. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il faut admettre que cet homme a le sens de la formule. Un raptor dissident avant l'heure? Dans ce milieu d'inspiration ouvertement libertaire et humaniste qu'est le monde du comics, cette déclaration était la goutte d'eau pour beaucoup de monde. Parmi les personnes à s'être levées contre le dérapage de Frank Miller, on peut citer Mark Millar, qui même s'il s'est opposé aux propos de son confrère, a tenu à nuancer en n'appelant pas au boycott de ses œuvres, contrairement à une partie de son lectorat, commençant à en avoir assez des conneries de Frankie. Et puisqu'on parle de ses opposants, c'est le moment de parler d'un autre padré des comics, qui lui aussi les révolutionna dans les années 80. Je parle bien sûr d'Alan Moore, qui dira à propos de Frank Miller, « Je suis sûr que si Occupy Wall Street était un groupe de jeunes justiciers sociopathes le visage grimé en Batman, il y aurait été plus favorable. Avant de s'en prendre à l'idéologie présente, dans l'œuvre de Frank Miller, j'ai trouvé que Sin City était d'une irréductible misogynie, que 300 était largement un historique, homophobe et parfaitement erroné. Je pense qu'il y a une sensibilité très déplaisante qui se dégage de l'œuvre de Frank Miller depuis assez longtemps. » Ambiance. Mais alors, les œuvres de Frank Miller suivent-elles le réactionnisme? Son Gotham City serait-il le New York d'aujourd'hui? On peut discerner deux périodes dans l'œuvre de Miller. La première jusqu'aux années 2000 où il apparaissait libertaire et plein d'espoir pour l'avenir. Et la deuxième jusqu'à nos jours où il deviendra le personnage réactionnaire et misogyne qu'on connaît aujourd'hui. Et au milieu de tout ça, il y a un événement qui aura marqué tous les citoyens américains. Le 11 septembre 2001. Ces attentats semblent avoir définitivement bouleversé Miller, au point de le faire chavirer vers ses positions actuelles. Et si vous en doutiez encore, lisez Holy Terror, un comic qu'il a commencé dans la foulée des attentats et qui devait originellement raconter la bataille de Batman contre un terroriste islamiste après un attentat à Gotham City. Miller présentait cette œuvre lui-même comme une œuvre de propagande dans laquelle, je cite, « Batman botte le cul d'Al-Qaïda », comme Superman et les nazis autrefois. DC refusera de la publier et Miller remplacera Batman et la publiera chez un autre éditeur. Et que dire de 300 ? Lors de sa sortie en 2006, le film provoqua une vague d'indignation en Iran, les Iraniens se sentant insultés par l'image donnée de leurs ancêtres perses, dépeints en meurtriers sauvages, sans âme et sans recul. Mais alors la question qu'on peut se poser c'est, les positions à contre-courant de Frank Miller sont-elles vraiment problématiques? A cette question, j'ai pas de réponse universelle, mais je peux vous donner mon avis. Frank Miller, aussi doué qu'il soit, n'en reste pas moins un citoyen américain. Et comme la plupart d'entre eux, il a été profondément touché par les attentats de septembre 2001. C'est quelque chose qui est pas forcément facile à comprendre pour nous de l'autre côté de l'océan, mais cet événement a vraiment ouvert une plaie que les États-Unis n'arrivent plus à refermer. Et là, j'ouvre une petite parenthèse et je vous invite, si c'est pas encore fait, à aller voir la vidéo de Rétrophile sur le comics Spider-Man 11 septembre, dont le lien devrait apparaître en haut à droite de votre écran. J'ajouterai à ça que dans une société de plus en plus aseptisée par le politiquement correct, dont il va bien falloir à un moment débattre de la réelle utilité publique, il me semble important d'avoir des figures populaires qui prennent parti de tous bords. Alors que la plupart des artistes contemporains sont fiers d'afficher des valeurs humanistes et tolérantes, ils ne sont que très peu de l'autre côté du drapeau à s'assumer. Et très sincèrement, je trouve ça dommage. Comment voulez-vous avoir un réel débat d'idées si tout le monde défend les mêmes positions? Prenez la tolérance et l'acceptation, c'est très beau, mais il faut justement l'appliquer et tolérer les gens qui pensent différemment. À ce moment-là de la vidéo, j'ai envie de citer une autre de mes idoles. Lui aussi, une des rares célébrités à se positionner à contre-courant. Je parle bien sûr de Monsieur Clint Eastwood, qui déclarait en 2016, ouvrez les guillemets, « En secret, tout le monde commence à en avoir marre du politiquement correct, de faire de la lèche. On est en pleine génération lèche-cul maintenant.
On est vraiment dans la génération mauviette, tout le monde marche sur des œufs. Très honnêtement, je le rejoins dans cette analyse. Et je pense que l'élection de Donald Trump quelques mois plus tard lui a donné raison. Quand cette société aura réussi à faire accuser tout le monde de tout et de n'importe quoi, quelle sera la prochaine étape? Tout ça pour vous dire qu'à mon sens, le monde manque de gens comme Clint ou Frank, notamment dans notre génération. On peut ne pas être d'accord avec leurs idées, mais il est important qu'ils puissent les exprimer afin d'avoir un débat d'opinion cohérent et pas uniquement de la branlette intellectuelle entre des personnes du même avis. Quand ces deux légendes seront parties troller au paradis, je ne vois hélas pas grand monde avec les épaules assez solides pour les remplacer. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir un peu indigné, ceci étant selon moi le meilleur moyen de provoquer des débats constructifs. Comme toujours, on se retrouve dans les commentaires et sur les réseaux sociaux pour discuter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, dans le respect des conventions de Genève, cela va de soi. On n'oublie pas le petit pouce bleu et le partage si on a aimé la vidéo, et le pouce rouge si on ne l'a pas comprise. Je vous fais des bisous, à très bientôt sur la chaîne de Gordon et Murdoch. Ciao.